Bon, si vous êtes sur la vidéo qui est sur Flapix TV, bienvenue à vous. Et bah sur celle-ci, et dès l'intro, on a Gamers qui lâche son petit sub prime. Merci beaucoup pour son prime, ça fait plaisir. Nous voici présents pour une toute nouvelle vidéo. Oh, un atout gratuit dès le début comme ça. Ah non, un perk slot. D'accord. Bon, on se retrouve pour le secret d'Origins, mais comme vous ne l'avez jamais vu. Je peux pas vous en dire plus, les gars, mais c'est vraiment impossible que vous ayez déjà vu le secret d'Origins comme ça. C'est impossible. Bon, bien sûr, comme tous les soirs 21h, on est en live sur Twitch, le chat Twitch, est en train de vous dire des petits coucou YouTube. Voilà, regardez là dans le chat juste en dessous de moi. Donc voilà, si vous voulez voir du live zombie, n'hésitez pas. Merci Baptiste pour les zombies, ça fait très plaisir. Donc ouais, on se retrouve pour un secret d'Origins incroyable, les gars. Parce qu'on utilise un mod, tu vas voir d'ici peu, check-moi ça. T'as une machine à tout qui est rajoutée ici. Inarco, merci pour les 115 bits. Eh, l'intro, c'est incroyable. Laisse-moi faire mon intro tranquille. Hop, encore une machine à atout ici. Mais tiens. Qu'est-ce donc que ce bordel-là? Parce que oui, on utilise un mode qui rajoute énormément d'atouts. Notamment tous les atouts de Black Ops 4 en plus de tous les atouts de Black Ops 3. C'est un délire. Vous allez voir ça, le mode est incroyable. Donc dans cette vidéo qui risque d'être assez longue, hein, parce qu'on fait le secret d'Origins au complet en une vidéo et sans coupure, histoire qu'on voit le mode entièrement, qu'on fasse tout ce qu'il y a à faire, qu'on teste, que je crois qu'il y a aussi une nouvelle arme, qui a été rajoutée avec ce mode. Donc on va tester tout ça, voilà, au cours de cette vidéo. Et bien sûr, hein, si vous êtes sur la vidéo qui souffle la Pix TV, les gars, le petit rituel, on n'oublie pas, s'il vous plaît, vous me lâchez bien évidemment votre petit like, votre petit abonnement à cette chaîne si vous kiffez les vidéos Call of Duty Zombie. Voilà, n'hésitez pas, les gars, ça ferait plaisir. Hop, là on a quoi? On a accro des atouts. J'ai pas envie de prendre Percaolique. Pourquoi j'ai pas envie de prendre Percaolique? Parce que j'ai envie d'acheter les atouts moi-même, voir comment ça se passe. Ouais, je joue sans accro des atouts. C'est extrêmement rare. Hein. On me dit 2500 likes sur la vidéo là, Fabien? Tu nous dis ça. Le mode marche sur toutes les maps. Normalement, il marche sur toutes les maps de Call of Duty Black Ops 3. Le mode sera en description de la vidéo si j'y pense. J'ai bien dit si j'y pense, hein, voilà. Oh là là, les 1000 bits pour les 2 ans de RidJLal, merci beaucoup. C'est incroyable. Merci beaucoup. Et Ferinox qui offre 2 subs. Je sais pas ce qui vous prend ce soir, mais il y a juste à voir. J'ai lancé à peine le stream, là, pour ceux qui sont sur YouTube, regardez déjà Daily Sub Goal, où est-ce qu'il en est. C'est vraiment un délire. Oh là là. Merci beaucoup, Ferinox, pour les 2 subs offerts. Tu fais 2 euros dans la communauté, et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau, franchement. Hop là. Nous, on va faire ça tranquille. Merci, Doudou, pour les 500 bits. C'est carrément incroyable, mec. Hop. Comme ça, on se fait masto tranquillement aussi. On va passer un peu de manche aussi. Je pense que je vais me laisser quand même un zombie. Voilà, mon son de jeu, je le trouve légèrement fort. Juste légèrement. On va le baisser un peu comme ça. Voilà. Donc là, on va se prendre tous les objets, essayer d'ouvrir un maximum de portes. Tu vois, faire tout ce qu'on peut faire. Là, du coup, bah, il y a toujours Masto comme d'habitude. Je sais pas si dans le coin, il y a d'autres atouts qui ont été rajoutés. Faudra qu'on cherche tous les atouts. Faudra qu'on cherche. Merci en tout cas, Ferinox, pour tes 2 subs offerts. Du coup, les gars, on est à 2 subs. De péter les 50 subs. C'est incroyable. C'est carrément incroyable, les gars. Vous êtes beaucoup trop chauds sur Twitch. Voilà, c'est pour ça, sur YouTube, les gars. Faut rejoindre les live tweets. Je n'ai pas en fait parce que je sais pas parler. Faut rejoindre les live Twitch parce que c'est incroyable ce qui se passe ici. Ce qui est incroyable, une limite d'atout. Apparemment, il y aurait une limite d'atout, mais tu peux les up via des perks slots que tu ramasses en tuant des zombies. Pour l'instant, je peux acheter du coup jusqu'à 5 atouts. Bon, je pense qu'on va s'acheter Masto, du coup. Et merci West Coast pour les 2 subs offerts. La folie. Et Ferinox qui offre 2 subs aussi. Mais merci. Putain, ça c'est de la commu de malade. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Les bons mâles, j'ai envie de vous dire. Hop. Voilà, on va essayer de pas mourir. Tac, on va ouvrir cette zone là. Tu vois, je peux te tuer. Hop là. Voilà, on va ouvrir ça, comme ça sera fait. On va récupérer toutes les pièces de tout partout où on a ouvert. Comme ça les pièces on n'en parle plus. Et il faudra essayer d'avoir des points pour ouvrir un peu plus de portes. Mais là je pense que j'ai déjà allé choper Masto parce que j'ai peur de faire une bêtise. Tiens d'ailleurs, est-ce que là il y aurait pas des nouvelles machines à atouts? Attends, laisse-moi récupérer le gramophone, frérot. Est-ce que là-dessous il n'y a pas des nouvelles machines à atouts? Ça ne m'étonnerait pas, on a 3 armes qui est là, ouais, normal. Ah, on n'a pas d'autres machines à... Je pensais qu'il allait rajouter des atouts ici, mais non, même pas. Même pas. Ok, bon, soit. Je vais garder, bien sûr, comme à chaque fois, le Mauser pour l'améliorer, vu que c'est très, très utile. Faudra qu'on fasse des boîtes aussi pour essayer d'avoir une arme spéciale. Une nouvelle arme spéciale, voilà.
juste une nouvelle arme spéciale, je vous dis pas plus. Hein. Première fois que je viens sur Twitch, c'est à la fête au Sam. C'est incroyable ce soir, c'est... Il y a un délire, voilà. La commu est trop chaud. Je pense faire combien de secrets? Ce soir, on va en faire deux, avec deux modes différents. Voilà. Tac, donc on va déjà s'acheter le Juggernog. Parce que bon, on va pas se mentir que Jug, toujours utile. Ah, et logo d'Atus sont revisités aussi. Tu vois, c'est pas le Jug classique de BO3. Ou alors j'ai loupé quelque chose, hein. Alors j'ai clairement loupé quelque chose. Hein. Hop, merci Esteban pour le host. Bienvenue à toi. Hop. Ouais, il a dû rajouter des atouts à l'église aussi, je pense. Là-bas, j'ai pas ouvert dans tous les cas. On va aller prendre la pièce de shield, tant qu'on y est. Je vous dis, on part sur peut-être une vidéo de 2 heures, hein, les gars. On va peut-être partir sur une vidéo de 2 heures, ceux qui sont sur Flapix TV. Au moins, ça fait 2 heures de pur plaisir, les gars. Un secret d'Origins, sans coupure, c'est rare. C'est rare. Limite, ça se fait. Ah, attends, le robot. Ah, c'est le robot de l'église. Merde, j'aurais pas le temps d'y aller, je pense. S'il faudrait que je prenne aussi les pièces, du coup, du bâton de vent. On peut tenter au pire, si jamais j'y arrive pas, on se fera le générateur 6. Hop là. Hop. Merci Flavien pour le sub tier 1. Le sub tier 1, merci beaucoup frérot, ça fait plaisir. Hop là, c'est bon, on a eu le temps au final. On a eu le temps. Le petit sub qui régale. Il fait son entrée dans l'armée des beaux mâles. Et ça, c'est beau. Ça, c'est... Ça, voilà, c'est du beau mal, j'ai envie de te dire. Tout simplement. Hop. Ah, putain, tous les émotes de sub. Le robot qui met des coups de pied. Ah bah, le robot, tu peux voler à tout moment avec lui. Hein. Oh, une accélération juste là. C'est original, ça. Je m'attendais pas à le voir avoir accélération ici. Ok. Accélération de BO4 qui peut être très cool. Je pense qu'on va le prendre. Bon, priorité quand même marathon. Quick revive. Et Masto, hein, c'est les 3 prioritaires, voilà. Hop. Ok, vas-y, comme ça je peux récupérer ma petite pièce du bâton de feu. Hop là, c'est fait. Je vais aller check en bas s'il n'y a pas la pièce du robot de Maxis. Putain, je suis content de faire un secret d'Origins, hein. Bon, on l'a eu il y a peu de temps, hein. Suite au marathon, non, elle est pas là, elle est pas là. Au marathon, on a fait toutes les maps de BO3, genre il y a 2 semaines. En 2 semaines, ça fait 2 fois que vous voyez le secret d'Origins. J'espère que ça vous dérange pas. Moi, en tout cas, je peux le faire littéralement tous les jours, ça me dérangerait pas, hein. Ça me dérangerait pas. Limite à tout, on va essayer de comprendre comment ça marche exactement. Vous inquiétez pas. Chaque chose en son temps, bien sûr. Hop. Bâton de feu ou bâton de glace? Ah, moi, mon petit favori, c'est le bâton de glace. Je préfère en plus améliorer le bâton de glace. Ok, donc la pièce, elle sera de l'autre côté. On ira la prendre un peu plus tard. On n'a pas besoin de façon du robot de Maxis tout de suite maintenant. Ça peut attendre un peu, j'ai envie de te dire. Hop. Ah, il y a le robot du spawn. Merde. De toute façon, si c'est pas au générateur 2, on n'a pas encore assez de sous pour ouvrir, il faudra qu'on passe une manche encore. Histoire d'essayer de choper les bonifications ou d'autres bails comme ça. Merci Natox pour le sub offert à Lord Totor. Merci beaucoup pour ton sub, ça fait plaisir. Le frérot. Pour être interdit, sont réservés aux abonnés parce qu'elles sont mises après sur Flapix TV. Ah, le bâton de glace, moi, c'est le bâton, c'est le sign. Ah, c'est le frérot. Ok, est-ce que c'est ici? Ok, c'est là. Oh, j'espère que j'aurai le temps. Oh, il y a une machine à tout ici. On va aller voir ce que c'est. Ok, c'est bon. On est bien là, franchement. C'est la première map? Ouais, là, c'est la première qu'on fait ce soir. Comment ça va, Antoine, sinon? Comment il va, le beau gosse? Je sais pas ce qu'il a pu mettre comme atout ici. On a déjà vu accélération, on a vu dernière volonté, on a vu sanglot hivernal. Et là c'est double tap qu'il a rajouté, parce que oui, double tap n'est pas en machine sur Origins, pour ceux qui ne le sauraient pas, voilà, vous êtes au courant, du coup. Merci beaucoup, Karki, pour ton follow, bienvenue à toi. Bienvenue mon ref. Hop, on va activer tous les générateurs tant qu'on y est aussi, comme ça on s'améliorera le Mother. Et là ça fait bizarre du coup de dépenser des points dans les atouts sur Origins, d'habitude j'arrive, bah accro des atouts, attends. Autant profiter des accros. Hop. Hop là. Tac. La pièce de... J'ai pas vu où elle était, la pièce de shield. Elle est pas là déjà. Faudra qu'on regarde son emplacement. Là, juste aller chercher la pelle et le cerveau du drone de Maxis tant que j'y suis. J'espère qu'il n'y aura pas le robot du mid, parce que sinon j'aurais clairement pas le temps d'y aller, j'imagine. À moins que je sois littéralement Usain Bolt. Ce qui serait incroyable. Et pas si mal. Sans se voir mal aux yeux, plus vrai. Zerka, non, on va pas faire la blague tous les soirs. On va pas faire la blague tous les soirs non plus. Faut pas abuser des bonnes choses, comme on dit. Ouais, sanglot hivernal juste là. Putain, ça fait bizarre de voir autant de machines d'atouts sur une seule map zombie. Ah, c'est le robot du mid en plus, je crois. Tant pis, on l'attendra. Ah, c'est peut-être celui de l'église, en fait. J'arrive pas à voir d'où je suis.
Hop. Tac. De toute façon, là, je pense on va passer la manche, parce que les autres portes, je peux pas les ouvrir. Hop. Tu fais quel bâton? On va faire tous les bâtons, on n'a pas le choix. Pour le secret d'origine, les gars, faut faire les 4 bâtons. Donc on n'aura pas le choix que de tous les faire, tout simplement, si on veut pouvoir... si on veut pouvoir faire le secret, quoi, tout simplement. Hop. Tac. On va... je sais plus ce que je voulais faire. Ah oui, m'acheter Quick Revive. Sait-on jamais, hein, un petit problème. Une petite erreur du joueur français. C'est très vite arrivé. Hop là, on va passer la manche comme ça, je pourrais me refaire des gobblegum, histoire aussi d'avoir les manes célestes pour avoir plus de points ou des bonifications. Oh, en plus, il neige. Et bah, c'est tout ce qu'il nous fallait, là, c'était de la neige pour qu'on puisse faire les pièces du bâton de... Ah, x2, ouais. Pour qu'on puisse faire le bâton de... Les pièces du bâton de glace. Voilà, je vais arriver à parler, bordel, j'ai du mal, hein, j'ai du mal. Hop. Alors, ce serait bien qu'on ait bonification, là. Ah, on a liquidé la simulation. On se fera des boîtes, quand même, je pense, après. On se fera des boîtes. Hop, donc on aura peut-être pas toutes les pièces du bâton de glace maintenant, à moins qu'on ait de la chatte. Non, non, tu en as pas de chatte. Sinon, faut qu'on ouvre la porte juste là. Après, avec le poids on peut se mettre bien en vrai. Et en prenant tous les points. Oh, on a eu un atout gratuit, les gars. L'âme éthérée. On a eu un atout gratuit, c'est. Mais incroyable par contre. L'âme éthérée, ça nous met très très bien pour les âmes qu'on doit faire à l'église là. Incroyablement stylé. Je valide fort. Et let's go. On a une pièce du bâton de glace. Du coup on va faire ça. Dure combien de temps live pour une exploration planning et t'as toutes les infos. Mais heureusement on n'a pas encore la dernière pièce du bâton dernière pièce du shield. Ce qui pourrait nous mettre possiblement bien. Ah, j'aimerais juste pas tuer, tu vois, tous les zombies, j'aimerais quand même en laisser un. Mais au moins se faire du point avec les cuts. Oh merde, c'est le robot du mid. On n'aura pas le temps. On a en plus l'avion. Oh là là. Ensuite, tu dois faire un bâton pour le secret, tu dois tous les faire dans tous les cas. Tous, tous, tous. Mais tant mieux, ce sera un peu naze sur Origins. Dommage, on n'aura pas eu le temps. C'est dommage, c'est dommage. De toute façon, faut que je continue à fouiller là pour le, déjà mon petit bâton de glace là, tranquille. Hop. On a un zombie. Non. Je m'en fous du zomblard. Trop stylé à tout. Bah, ça nous met bien la météorée, franchement, pour pouvoir cut tranquille. Ah, arrête de me claquer le zombie. Tu me fais bouger mon viseur. J'arrive pas à voir l'avion du coup. Avec la STG. Reste là, t'es où l'avion? Voilà. Nickel. Ah merde, on n'a pas ouvert ici. Ouais, je vais ouvrir. Tant pis, je vais niquer mes points. Oh, on a quoi comme atout ici? Tortue victorieuse. Stylé de ouf. Hop. Comme ça, j'active également tous les générateurs. Ce sera fait au moins. On a le disque jaune ici également. Oh, merci beaucoup, Matt. Pour tes 315 bits, c'est ça, si j'ai bien vu. Merci beaucoup, frérot. Ça fait plaisir. Ça régale. Ça met la dent dans Tesla, hein, tu connais. Hop. Ah, j'arrive pas à faire des glissades. Je suis dans la boue. Hop, est-ce qu'on a d'autres trucs à fouiller ou est-ce qu'on devra passer des manches? Clambing sans bits aussi, merci beaucoup. C'est un délire ce soir ou quoi? Merci beaucoup les frérots, ça fait plaisir. Oh, incroyable, on pourra peut-être se faire le bâton de glace et se manche. Ah, on a Bombi ici. Let's fucking go. Je vais me faire des boîtes après, tranquille. Hop. Là, on va aller fouiller à l'église. Non, ici, il n'y a pas de truc à fouiller. En même temps, on ira... Oh, Vatox, merci beaucoup pour le sub offert. Oh, on a PHD Slider, là. Merci pour son sub offert. Let's fucking go, les gars. On s'est mis trop bien, on a déjà le bâton, on peut faire le bâton de glace si on veut. Ça c'est très bon, ça c'est très cool. On s'avance bien. Du coup je vais pas mettre mes braderies maintenant. On va peut-être attendre d'avoir 3 armes. Ok. Au pire les braderies on les fera plus tard. On les fera tranquillement plus tard parce que là, je vais garder vraiment le Mauser. Ok, on pourrait se faire également le char, on peut se le faire un petit peu plus tard aussi. Tant qu'on y est. Je pense qu'on va commencer directement...
Oh, Clambing, merci beaucoup. Merci pour tes 100 bits, ça fait plaisir. Incroyable. J'ai bien aimé le custom zombie sur Rick et Morty. Ah bah tant mieux alors, si t'as kiffé. Si t'as kiffé, moi, c'est ce qui compte. Hop. Du coup. Hop. Comme ça, là, on va aller chercher la pièce pour le bâton de glace. On en parlera plus. Hop. Merci beaucoup, Twitch Zeliox, pour le follow. J'espère que je vais pas écorcher ton pseudo. Mais merci pour ton follow Twitch, ça fait plaisir. On est presque 80 000 follow Twitch, les gars, c'est incroyable. C'est carrément incroyable. Ah, le petit breuvage. Hop là. Comme ça, on aura plus besoin de venir ici. Prochain bâton croiseur, on va essayer à cette manche, au pire, de se faire le bâton de glace et le bâton de vent. Comme ça, on n'en parle plus. Tu vois, ce sera mis de côté, on sera tranquille. Hop. Et du coup, j'espère chatter d'autres atouts gratuits, hein, parce que si on peut en gratter comme ça, moi, ça me dérange pas. Bon, ça fait chier, tant que j'ai pas atteint le max de perk slot. Ça fait un peu chier d'avoir des... Oh, merde. Oh, merde, c'est le robot du mid. C'est celui qui nous manque. C'est l'autre pie, en plus. Nom d'une pipe en bois. Ça va être très compliqué. Ah, on n'aura pas le temps. Dommage, on l'a presque eu. Dommage. De toute façon, on l'aura après. Hein. Si on l'a pas maintenant, c'est après. Merci West Coast pour les 500 bits. Eh, il est presque pété, là, le bits gold du mois de mai. C'est carrément incroyable. Bordel de crotte à cul. Exactement. C'est embêtant, là. Tac, donc pendant ce temps, on va se faire tranquille. Notre petit bâton de glace. Hop, du coup, faut que je passe déjà tout sur bleu. Hop, celui-là, c'est fait. Tac, et du coup, bah, la STG 44, tu m'excuseras. Mais comme j'ai pas 3 armes, tu vas partir. Voilà, ma STG. Voilà. Staff of Ice. Qu'est-ce qu'il est classe, ce bâton, quand même. Hein. Hop. Pourquoi tu spammes pas de spam dans les chats, hein, les gens? Pourquoi il y a déjà 55 subs? Je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a déjà eu 55 subs offerts sur ce live. J'arrive bien à te répondre. Oh, attends. Cartouchière de bandit, ok. Mais même moi, j'ai pas la réponse, tellement c'est incroyable. Merci. Xodus pour le follow. Xenodus. Oui, voilà, merci pour ton follow, frérot, ça fait plaisir. Comment ça, je sais pas parler? Qu'est-ce que vous dites? Dites n'importe quoi, moi, je sais tout à fait parler. Je crois que la porte là elle est à 1000, donc au pire ce qu'on fera c'est qu'on ouvrira de l'autre côté. Ah non, c'est 150. Je ne connais pas Origins, putain. Mon secret est dévoilé au grand public. Oh! Ah bah la métairie qui est juste là, bah bon. Du coup la métairie, on a pas besoin de l'acheter, on l'a déjà sur nous. Hop. Tac. On va aller tranquillement. Non, Kino c'est le meilleur. Bah après ça dépend des goûts et des couleurs. Comme moi tu vois, ma préférée c'est Buried. C'est pas le cas de tout le monde. Enfin, surtout pour les joueurs survie, hein. Tout le monde déteste Buried niveau survie. Merci beaucoup Irazel pour le follow, bienvenue à toi. Welcome. Hop, donc je peux me craft tant que j'y suis. Mon petit shield, ça va être bien. Putain, ça va être bien. Et vraiment, si vous êtes sur la vidéo qui souffle la PixTV, les gars, prenez une boisson, prenez des popcorn, des gâteaux, parce que là on est parti pour une vidéo très longue, hein. Limite 2 heures. Mais ça fait plaisir, ça change au moins. Ah merde, j'ai construit le drone de Maxis. Bon, c'est pas grave, au moins comme ça il est fait. Je ferai le... Après, le bouclier, on le fera plus tard. Ah, le gramophone. Ah, je l'ai pas ramassé. Ah, suis-je bête. Bon, on va faire comme ça le robot à l'église. Mais j'hésite entre soit j'attends de voir la séquelle robot, soit je tente d'aller faire directement le bâton de glace. J'hésite. Est-ce qu'il y a dans le mode qui est élixir de bouton? Je sais pas du tout. Qu'est-ce qui me dirige, Stéphane? Calme-toi. M'en fous. C'est toi, Loïc. Comment ça va? Hop. Du coup, je voulais me craft ça. Ouais, on a pêche d'ici. J'ai pas vu d'autres atouts en bas. Ça fait bizarre. Ouais. Je trouve c'est surprenant de voir autant d'atouts sur... Enfin, de machines à atouts. Tu vois, parce que d'habitude, t'as les atouts classiques en machine. Et après, bah, qu'est-ce que t'as? T'as la Vendor Fizz, tu vois. Là, ce que je trouve vachement cool, c'est que t'as plein de machines à atouts. Je trouve ça satisfaisant à voir. Non, moi, quand t'as plein d'atouts en zombie, je trouve ça trop satisfaisant. C'est incroyable.
Hop, ah oui, il est toujours là, le gramophone. Bah vas-y. Faut juste que je regarde du coup, parce que je me souviens plus exactement des bails. Hop. Tac, 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 Staff Ice. Origins. Parce que je connais, tu sais, tous les le délire des symboles, etc. Je les connais pas tout par cœur, voilà. Hop, donc le double comme ça. C'est lui. Lui. C'est le F à l'envers. Le rond tout seul, normalement, c'est ouais, ça, c'est l'apostrophe. Là, le complexe. C'est le LF. Là, c'est celui-là. Et là. Voilà, ça c'est fait. Tac. Hop. Pourquoi marquer un moment parce qu'il y en a, alors qu'il n'y en a pas? C'est parce que t'es sub, ça. Quand t'es sub à la chaîne, t'as pas de mode lent. Ça c'est bien. Hop. J'aimerais avoir des points, par contre, pour améliorer le Mother avant que le Panzer il arrive. Comme ça, le Panzer, on le défense. Non, c'est pas une rediffusion qu'on fait, Isaac. C'est normal, du coup. Est-ce que j'ai récupéré le gramophone? Non, j'ai toujours pas récupéré. Je l'ai oublié encore. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de robot. C'est celui du spawn qui vient de passer, donc il y a peut-être une chance que là, on ait celui du mid. Ce serait bien. Et ça, c'est le feu. Ça, c'est le bâton de feu. Allez, c'est la petite blague parce qu'on est sur Origins. Hein. Merci, RSkiller59. For the follow. En fait, je pense que je vais récupérer trop vite. Genre, tu sais, je le prends et je le repose direct. Comme je spam F. Je pense. Ma map préférée, j'ai fait une vidéo si ça t'intéresse, où je classe toutes les maps zombies de Treyarch, de celles que je déteste le plus à celles que je préfère. Comme ça, voilà. Je te réponds pas, je te laisse aller check. T'as la réponse par toi-même, comme ça, et c'est mieux. Et ça me fait des vues, donc c'est-à-dire, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres armes ou pas? Sinon, dommage. Ah, mec. Il y a le Ray-Zorbak, déjà, comme arme. Il y a une MG42 spéciale aussi. Tu verras. Pour l'instant, je peux pas les prendre parce que j'ai besoin des bâtons. On se fera les boîtes au pire à la fin, une fois qu'on aura fait le bâton de vent. Et de glace. C'est le robot du mid ou alors c'est les trois robots? C'est le robot du mid. Ça me fait plaisir du coup. Et je crois que c'est même ce pied là, celui de gauche. Enfin, à ma gauche et donc son pied droit. Ouais, c'est ça. Alors je vais essayer de pas le fail. Mais au Mother, je suis pas confiant, j'ai du mal à ouvrir les... C'est bon, on l'a eu. On va pouvoir faire en même temps ça. Hop. T'as pas classé l'arc de poison dans ton classement? Si. Dans le classement des armes spéciales, il est... il y est, l'arc de poison. Je dis même ce que j'en pense à propos des Panzers. C'est là qu'on voit les gens qui sautent des passages en des vidéos. Tu vois, tu reloupes. Pire au meilleur déplacement rapide? Non. Non, ce serait vraiment pas ouf comme... comme bail. Hop. Bon, du coup, c'est bien. On a toutes les pièces également du bâton de vent. On est bien, on se sort bien, là. Merci, Tony, pour le follow. Bienvenue. Eh, plus que 54 follow pour les 79 000. Hop. Ah, merde, j'ai mis une braderie. Oh, c'est pas grave. Est-ce que j'ai de touche? Je voulais changer d'arme et j'ai mis une braderie. De toute façon, les braderies, hein, elles me serviront à rien pour l'instant, clairement. Vu que j'essaie d'avoir 3 armes avant d'avoir les armes modées. Parce que de toute façon, je veux garder le Mother et entre d'autres armes, il me faut à tout prix. Il me faut à tout prix un bâton. pour les faire. Sinon, je peux pas prendre les bâtons, donc c'est embêtant, là. Hein. C'est vraiment pas nice. Merci, c'est mon gars, pour le follow. Hop. Je crois que d'ici, je pouvais l'avoir, le truc. Il me semble. Si j'ai un bon angle. Ah non, pas de là. Je sais que par contre, du chemin du char, je peux l'avoir. C'est là où je le faisais quand je voulais je faire le secret. Là, on le fait de chill, hein. Il n'y a pas de speedrun ou quoi. Et quand j'essaie le speedrun, je le fais depuis le chemin du char. Premières armes du custom zombie. Ouais, tu veux classer en gros 500 armes en une vidéo, c'est un peu... mec. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Hop, après, on fait le bâton de vent, puis on passe la manche. Pour recevoir des manes célestes, des bonifications, etc. Quoi, histoire qu'on se fasse des points pour acheter un max d'atouts, parce qu'on a quand même presque 20 atouts à acheter. Je sais pas comment ça rentre sur la terrage, par contre. Je sais pas comment ça rentre. Mais est-ce que déjà, on pourra mourir quand on aura dur comme la pierre, dernière volonté, masto, quick revive, qu'on aura, t'imagines, tous les atouts du mode zombie de Treyarch? Tous les atouts sur une même map.
Même sur bio 4, c'est pas possible parce que sur bio 4, accro des atouts te donne que jusqu'à 10 atouts, t'es 4 atouts plus 6, je crois, en bail comme ça. Enfin, en tout cas, tu peux pas avoir tous les atouts. Mais là. Ça peut être clairement, clairement incroyable le résultat. Merci pour le sub tier 1. Sub tier 1 de la part de Moreri. Bah, let's go, du coup, on est à 56 sur 75 au sub goal. C'est quand même incroyable, mec. Hop. On va faire ça tranquille comme ça. On en termine avec notre bâton de glace. Boum. C'est bon, c'est fait. Il y a un atout. Ouais, mais pour l'instant, j'ai 110 points. Donc, je sais pas comment tu veux que j'achète un atout. Mais pour l'instant, c'est. Bah, c'est compliqué. Hein. Si tu meurs, quand même, là, il y a un problème. Ouais, là, franchement, si une fois que j'ai acheté tous les atouts, je meurs. Je vais me remettre en question. Est-ce que vous imaginez, les gars, un Rainbow Perk Challenge avec ce mode-là? Par contre, pourquoi ça part pas là? Il y a un truc que j'ai pas mis sur bleu, je pense. Ah, si, c'est bon, c'est parti. Eh, vous savez quoi? S'il y a 2500 likes sur la vidéo YouTube, on refait le secret d'Origins, mais en Rainbow Perk Challenge. On achète tous les atouts dans l'ordre de couleur, en gros. Mais avec tous ces atouts, ça peut être incroyable. Ce serait hardcore, par contre, imagine faire le secret, Tamasto, c'est dans les derniers atouts, le rouge, je crois, dans la Rainbow Perk Challenge. Ah, j'ai rappuyé là-dessus. Attends, c'est pas de Satan. Boîte de mes couilles. Hop. Hop. Je vais poser comme ça mon bâton. Je vais prendre également la pierre. La pierre de vent. Hop là, le bâton de glace, il est posé. On va partir d'ici. Merci Simon pour le follow, bienvenue à toi. Bienvenue. Salut Gigi Lulu. Il aime bien le zombie. Ah. Ah, j'aime bien s'il aime bien le zombie. Comment ils vont du coup les deux ce soir? Oh là. Je prends un risque, ça passe. Ça passe. En fin de compte, c'est passé large. Hop. On va se dépêcher. C'est énorme tes couilles. Ah, ça peut être... En vrai, ça peut être un putain de bon challenge. Hein. On se refera ça, on verra le rendu que ça a sur... voilà. On verra. Tac. Et derrière, ça rate. Qu'est-ce qu'il fait, le Haki? Qu'est-ce qu'il nous fait encore? Pas le laisser sans surveillance, cet enfant. Hop, le bâton de vent. Comme ça, moi, ce manche, on a claqué bâton de vent, bâton de glace. Très bien. C'est très cool. Merci beaucoup. Teliva pour le follow. Le bâton de foudre. Hein, le bâton de foudre. Mon meilleur ami. Hein, ce petit bâton. Ah là là. Qu'est-ce que j'ai du mal avec ce bâton quand même, le bâton de foudre. Dans les commentaires hein, sur Flapixel, n'hésitez pas à me dire vous, c'est quoi votre bâton préféré sur Origins, le glace, le feu, le vent ou le foudre. Moi, si j'aurais fait un classement, franchement, ça ferait glace, feu, vent, foudre, en gros. Très franchement. Soleil 34, comment ça va? Comment il va? Hop. Du coup, là, on place le gramophone. Je vais chercher le wine staff. Let's go. Ok. F apostrophe. Double L. Double I. Vas-y, on aura le temps, t'inquiète. Ah, j'y crois pas du tout, là, avoir le temps d'y retourner. Alors, F apostrophe. Ah, merde. J'ai tiré deux fois là où je voulais. Enfin, au mauvais endroit. Vas-y, on va sortir par là, au pire, ce sera plus simple. Bâton de foudre amélioré, moi, je suis pas fan. Moi, c'est glace pour les bâtons larges. Après, ça dépend des strats que tu utilises, de comment tu veux l'utiliser, ça dépend de tout. C'est vrai que moi, clairement, un petit bâton de glace. En plus, il est bleu. Je peux que kiffer. T'as juste à voir les lettres derrière le meuble là. Je ne peux que kiffer. Il a spawn où le zombie? Ouais, je vais attendre parce que sinon, je vais littéralement le défoncer avec le bâton de vent. J'ai pas envie de passer la manche maintenant. J'ai envie de finir vraiment le bâton comme il faut. Voilà. Les arcs ou les bâtons? Ah, y a quand même l'arc de foudre. Hein.
En vrai, en termes de style, de flow, les bâtons, ils sont largement au-dessus que les arcs, je trouve. Mais le bâton électrique, mec... L'arc électrique, il est incroyable. Donc, je préfère quand même les... Ouais, les bâtons. En vrai, les bâtons. Non, l'arc. Ah, je sais pas, j'arrive pas à me départager. Ouais, non, les arcs. Allez, on va dire les arcs, allez. Je préfère les arcs parce qu'il y a le bâton. L'arc, putain, je vais arriver à l'arc électrique. Merci, Demon Foxy, pour le follow. Je te remercie. Hop. Là, c'est bon aussi. Bon, après ça, on se fera des boîtes et on passera la manche. Pour se faire des points pour le char. Les arcs ont plus de flow, je trouve. Ah, moi, je trouve les bâtons. Clairement incroyable, les bâtons. Au du rechargement et tout, le bruit, même le petit bâton là pour réanimer. Franchement, voilà. Hop. Il y avait des coupures. Non, dans la vidéo, ce sera sans coupure. Ce sera ça, sans coupure. Tout le bâton, enfin tout le secret d'origine sans une seule, sans un seul cut. Comme on avait fait le secret de Shadows of Evil et Shangri-La à deux joueurs avec Jackie. On l'avait fait justement et c'était déjà sans coupure, donc j'ai gardé la même forme. Pour les secrets, je préfère... Oh, j'ai pas vu ici qui est morsure... Oh, c'est morsure de loup. Ah, normalement, c'est celui-là, c'est ça. Nickel. Eh ben, on va aller poser notre petit bâton de glace, on va se faire notre petite boîte, essayer d'avoir une des nouvelles armes ajoutées par ce mode. J'aimerais bien avoir le Ray Gun spécial, le nouveau Ray Gun. Ça me plairait bien. Donc je vais déjà aller poser mon bâton, comme ça on ne parle plus. Bâton de glace amélioré? Non, les bâtons améliorés, ils sont pas durs à faire. Et donc la boule, t'en mets du temps à aller en haut. Voilà. Trois armes avant, bah si on a le Regan cheaté, non mais là c'est juste que j'aurais plus d'armes sur moi, donc autant que je fasse des boîtes, voilà. Hop. Comme j'aurais plus que le Mauser, je vais pas faire une manche entière en Mauser, même si j'ai jamais tiré. Je préfère, tu vois, sécure avec une autre arme. Hop. Je vais laisser le gramophone là. Attends, j'ai bien la pièce de... Oui, c'est bon, j'ai bien la pièce du bâton de foudre. Enfin, la pierre, pas la pièce. C'est dommage, par contre, j'ai pas accélération là pour les boîtes. Ça aurait été cool. Donc tu vois que j'ai plus d'autres armes. Ok, le quart neuf. Ah, le Regen Mark 2. Ah, pas de Mauser amélioré du coup les gens. Ok, l'annihilateur. Putain, j'ai oublié qu'il y avait l'annihilateur. Je fais jamais de boîte sur Origins. Vraiment, du coup j'ai oublié l'existence de ça. Hop là, M14. Ah, dommage, et puis la braderie. Hop, on va passer la manche du coup. Dédicace au meilleur Tyranny, Akimanus, Bertha et Nat et beaucoup d'autres. Merci Anaïs pour ta dédicace, ça fait. C'est très gentil. Incroyablement gentil. Hop. Qu'est-ce qu'on a, Man Céleste? Alors, c'est Man Céleste, on va pas prendre l'atout dedans. Vraiment, je vais acheter vraiment tous les atouts pour moi-même. Hop. Voilà, je me suis un peu de points. C'est dommage, je prends pas la nuke, ça me nique 300 points. Ah, j'aurais dû la mettre à la fin. Enfin, ça m'aurait fait 800 points. Là, je vais voir si la météré, ça one shot à ce manche là. Parce que si c'est le cas, c'est cheaté de ouf pour notre stèle. Donc, on va clairement essayer. Et du coup, je sais pas si je peux avoir l'arme spéciale là, vu que j'ai déjà le Mark 2. Je sais pas. Hop. Tac, tu vois là, on a la stèle. Et tant qu'on a la météré, on va tester. Mais je sais pas si on one shot encore le couteau à ce manche là. Ça one shot encore. Mais c'est incroyable du coup la météré. Mais regarde ça, mec, c'est trop bien, c'est trop lourd. Hop. J'aimerais juste ne pas passer la manche si possible en vrai.
Bah, il nous reste quand même pas mal de zombies. Vas-y. On va faire partir le char. Tac. Oui, c'est bon. Oh là là, David. Presque 200k. Ouais, sur la chaîne principale, on est presque 200 000 abonnés. Hein. On a 189 500. Ouais, reste quand même beaucoup, hein, mais voilà. Quand tu fais char, tu as le frappe de pavard. Ouais, ouais. Attends, rentre sur marathon, j'ai peur de pas pouvoir le rattraper, le char, là. Si, c'est bon, large. Largement. C'est juste au début, je voulais pas que les zombies, tu vois, ils se mettent à courir. Histoire que j'ai un peu de répit, parce que si je mettais sur le char directement, il y a le zombie qui tape un gros sprint sur ma gueule. J'allais être en mode, bon, frérot. Tu casses les couilles, quoi. Hein. Bon, j'espère pas fail par contre mon jump. Parce qu'ici, je sais pas pourquoi des fois je le fail. Mais qu'au clavier souris, genre la manette, je sais que j'ai pas de soucis. Mais celui-là, j'ai... au clavier souris, je sais pas, j'ai du mal. C'est bon, c'est passé. Hop là, petite pièce du bâton de foudre. Salut zombie, comment ça va frérot? Comment ça va frérot le boss? Pas de spam, ouais, pas de spam dans les chats les gars. C'est écrit dans les règles. Donc je compte sur vous pour être bien éduqué. Hop. Ah, le zombie il est un peu rapide, il est chiant. J'essaie de l'éloigner pour être avoir un peu de répit au début sur le char. Non, vu que j'ai pas marathon, je pense qu'il faudra que je refasse du un tour de char. Si je pourrais pas avoir les deux pièces en même temps sans marathon, j'y arrive pas. Voilà. Un truc qui est sur moi, c'est que je n'arrive pas à avoir ça. Genre tu vois la pièce qui est là, puis celle d'après sans marathon, je sais pas, je galère trop. Surtout qu'à la fin, quand le char il commence à monter à moitié sur le chemin pour aller à l'église, genre il y a un bug, tu commences à monter, ça t'enlève du char, et là tu dois remonter, donc tu dois refaire l'action, et en gros tu perds un temps et... Et du coup, sans marathon, c'est. J'y arrive pas. Bah, je suis mauvais, j'y peux rien. On fait comme un peu. Ah, ça a passé la manche. Bon, de toute façon, fallait qu'on passe la manche hein, pour finir notre. La petite stèle. Hop. Hop là. Genre là, tu vois. Ouais, ça a bugué, ouais, non, j'ai pas pu. Je sais pas pourquoi ici, quand ça monte, c'est vraiment brain. Enfin, ouais, bug as fuck, je sais pas trop comment expliquer. Là, par contre, faudra que je fasse gaffe à faire les bonifications à cette manche. Pour être bien. De toute façon, après, on a le temps, on a jusqu'à la manche 8 pour faire tous les bâtons. Ouais, avec le Panzer qu'on doit attendre. Je sais le char surchargé tranquille. Pendant ce temps, on va continuer de la m'éterrer. Oh, West Coast, merci pour les 800 bits! Merci beaucoup, ça fait très plaisir, mec. Attends. On a fini la selle ou quoi? Ah ouais, c'était peut-être... Ça comptait pas dedans, je sais pas. J'arrive pas à prendre la selle, tiens. Est-ce que c'est la météré qui me fait... Ça va être la météré. Bon, au pire, on attendra d'avoir un bâton amélioré. Au pire. C'est la météré qui me fait un peu bugger le truc. Bon, y a pas juste l'animation de l'âme. On fera avec un bâton. On va se faire des points en attendant. Pour se prendre marathon du coup. Et quand même être tranquille. Hop. Je vais partir le char. Et je vais m'acheter direct marathon. Marathon et attends on a... On pourrait se prendre un autre atout en vrai. Hmm. Je me tâte. On a marathon. On pourrait se prendre cartouchière de bandit. Non je crois que c'est 3000 cartouchières. On économise pour un passe-passe, un classique. Hmm. Hop là. Je sais pas pourquoi j'ai ouvert ça, mais j'ai ouvert. Hein. Là, déjà, marathon, ça... Ouais. Oh, ça met bien. Oh, bordel. Double coup, non. Ouais, ouais, allez, double coup. Allez, on sécure avec un double coup. Même si en soi, j'aurais pas besoin. Hein. Je fais pas mal de dégâts en basse manche pour l'instant. On va quand même se prendre un double tap. Attends, le char il va pas tarder à arriver. Bah, il est là le char.
Hop là. Ah, j'ai plus assez de sous. Pas de soucis, hop. Passe pas, j'avais pas assez de sous dans tous les cas. Hop. Ok, donc là, ouais, il nous manque la dernière pièce. Après ça, il faudra qu'on passe des mains jusqu'à avoir le The Panzer. Mais en attendant, on fera des kills en bas pour charger un bâton au moins. Pour charger un bâton. Ah bah, il s'est fatigué. Il a commencé à courir, il s'est arrêté, il a fait... Ouais, non, c'est bon. La M14, elle est stylée, celle qu'ils ont rajoutée avec Chronicles. Franchement, elle est puissante. Puissante de ouf. Lui, c'est le dernier zombie, faudrait pas que je le tue maintenant. Comme ça, avant, je prends Human Céleste, je fais bonification. Et je fais le bâton également de foudre à ce manche-là. Hop là. Hop, on ramasse notre pièce. Quoi, incroyable, on a toutes les pièces du bâton de foudre. Ah là, faut que j'aille chercher. Lightning Staff, voilà, nickel. Faut que j'aille le craft, je suis con, j'avais déjà mon téléporteur en mode c'est bon, je vais l'améliorer, tranquille. Bah oui, au moins. Là, c'est sûr, je vais l'améliorer de ouf là. Hein. Hop là. Je prends un petit guide. Et attends, est-ce qu'on a les 100 points sur les atouts Ah, mais c'est cheaté, je peux me faire un max de points du coup, mec. T'imagines si je mange devant tous les atouts? Oh bah go. Mec, on va gratter. Hop, c'est bon. Get ça. Hop là. Les 100 points. Les 100 points. Et let's go le bâton de foudre. Au moins là on est bien, on les a eu rapidement les bâtons. Je suis pas mécontent de ce qui se passe là. Tac, tant qu'on y est. Hop. Oh, calme-toi le zombie. Ok, on se dépêche. Vas-y, let's go améliorer ce bâton. Vite fait, bien fait. Tac. Au pire, on se prendra quand même les atouts de Man Céleste. Vu que les Man Céleste, je peux pas en avoir tout le temps. Parce que de toute façon, là, je peux pas acheter plus d'atouts. Je crois que j'attends mon slot max. De toute façon, on va essayer. Au pire, on va essayer. Alors, 1, 3, 6. 3, 5, 7, 2, 4, 6. Voilà, c'est bon. Kadak là. On va prendre le petit truc vers le bas. Donc là, c'est vers le bas. C'est 3. Site d'excavation, c'est vers le haut. Oh, pour moi, là, ça va aller vite, les étapes du secret. Franchement, 3. Ensuite, c'est vers la droite, puis en haut. Droite, haut, haut, haut. Merci beaucoup, Lâche, pour le follow. Je te remercie. Là, j'avais dit la droite. Attends, vraiment, là, on est bien. Franchement. Tac. Là, vers le haut. Attends, c'est vers le haut, là. Ouais. J'avais un doute. C'est un flop. Salut, Brian. Moins de drone de Maxi, c'est bien qu'on l'ait mis là, comme ça, on n'aura pas besoin de faire un détour pour venir le récupérer à la fin. Ouais, je fasse ça en fait pendant mes tentatives speedrun. Que j'arrête de le poser, que je le pose en fait vers Masto le drone de Maxis. Quand t'as pas ta méo, toi, on va dire que j'ai une bonne communauté quand même. Bon, des fois, il y en a qui sont un peu. Voilà, comme dans tous les chats. Et en général, ouais, c'est vrai que c'est. J'ai quand même la chance d'avoir une si belle commu que ça. Hop. Et merci également Wix et Mac The Killer pour vos follow. Bienvenue à vous deux.
Installez-vous, mettez-vous bien. Vas-y, Ago, bisous. Bonne soirée à toi, puis encore merci, hein, comme toujours. Et des bisous, comme dit Tyrannosaure. Vas-y, là, sur la gauche. Hop. Voilà. Fous-toi de là, le zombie. Parce que là, j'ai pu avoir jusqu'à 5 atouts et acheter double coup, parce que j'avais eu un perk slot au début de la partie. Mais depuis, j'ai pas eu de perk slot. Donc, je sais pas comment ça se passait, genre, si je pourrais racheter d'autres atouts ou pas, on verra. Merde. Voilà. C'est Tiramisu. Oh merde. Oh merde. Où t'as commandé ta déco? Sur internet. Incroyable. Hop. On va se dépêcher du coup. Faut que j'active les deux d'en dessous. Et après ça on va passer la manche hein. Attends déjà. Hop là, normalement c'est sur violet direct. Let's go. Et let's go. Au revoir la boule. Hop. Merde, le gramophone, il est là-bas. Ouais, de toute façon, je vais attendre un peu. Hop là. Après, on a l'atout, on a eu dur comme la pierre. Ok, c'est cool. Ah, j'ai pas pris le x2, merde. Attends, viens là. Voilà pourquoi je voulais prendre directement là. On est dur comme la pierre. Ok. Ça fait bizarre de le voir sur Origins. Hop là. Là on est bien au moins avec le x2. Hop. Encore un x2. Putain, il est beau le camouflage. Qu'est-ce qu'il est beau. Vas-y, on va améliorer du coup un bâton pour pouvoir cutter tranquille et finir la stèle. Hop. Mais vu qu'on a des points, est-ce que je peux m'acheter un autre atout? Ou est-ce qu'il faut que j'ai d'abord un perk slot? Faut d'abord que j'ai un perk slot, tu vois, je peux pas acheter d'autres atouts. Alors que tes decks durs comme la pierre, c'est un des préférés d'atouts de l'histoire du zombie. Il est dans mon top, je pense, large top 10. Franchement. Hop. Voilà, magnifique le chaos quand même, bah surtout sur le Ragon Mark 2. Incroyable clairement. Hop. Je vais attendre les zombies, on va aller... C'est bien, bon, on watch toujours au cut grâce à la métérée. C'est vraiment bien qu'on lui en basse manche. Oh, un perk slot justement. Mais sauf que là du coup ça peut m'étendre jusqu'à... Ouais, je sais pas. Parce que je crois que j'étais à 5, donc là je peux en acheter 6, mais j'en ai déjà 6. Merci Anno le pro pour le follow. Bienvenue. Ah la nuke, qui est pas cool la nuke. Pas cool du tout. Ah, zombie qui lâche encore un perk slot là. Non, dans le crazy place, y'a pas d'atout, on remarquera. Ah, ok, on a passé la manche. Faut qu'on passe encore la manche 7 entière là pour le bâton de feu. 50 points pour un kilo couteau, c'est sûr. Moi, ça me dérange pas trop. Ah ouais, dire que la pierre qui se forme. Putain, c'est trop bien. T'as la petite jauge et tout, bon, qui est un peu cachée par mon truc de marque là. Notamment, elle est bas à 3% pour vos jeux cartes PSN moins cher, les gars. Pensez-y. Faites des économies. Oh, encore un perk slot, let's go. On va laisser prendre 3 armes. Le bâton reste toujours pas bon. Oh, un perk slot.
Ah non, c'est carrément un perk gratuit comme ça. Putain, let's go les gars. Hop. Incroyable. Après sur un de vos perks, c'est vrai que là on a eu pas mal de chance. Mais du coup vu que j'ai... ah je sais pas si j'aurai assez pour 3 armes. Pire j'ai gardé les sous parce que ça se trouve la métairie fait un petit bug qui fait que je pourrais pas cutter du coup pour la stèle. Donc si c'est le cas on suicidera, on se rachètera nos atouts, on a 9000 points. Et comme ça permettra, de toute façon à la fin il faudra qu'on suicide pour voir si on garde toujours nos perks slots. Genre si tu les gardes pour la Victa ou si tu les perds si tu meurs. Ça c'est à tester aussi parce que des fois t'as des mods ça avec les perks slots et que tu perds quand tu down. Et j'aimerais bien voir ça. Si on les garde pour toute la partie ou si on les garde que pour la vie. Pour la vie en fait qu'on a actuellement. Ouah. Bah tu vois, ça a pas l'air de marcher. Donc je pense que la métairie fait un peu bugger le truc. C'est pas très grave hein, en même temps, c'est un mod, on le rappelle hein. C'est un mec comme toi et moi qui l'a fait frérot. Vas-y, on va se laisser mourir. Je meurs, adieu monde cruel. Et comme ça, on va pouvoir voir si on garde... J'espère que les perks slots, c'est pas à chaque dawn que tu les perds, parce que c'est ça qui est un peu dommage sur la plupart des mods. C'est que quand t'as des perks slots que t'obtiens comme ça, bah tu les perds à chaque dawn. Donc là, on va s'en acheter 4, en vrai. Et on verra si on peut s'en acheter plus de 4, se dire qu'on garde les perks slots pour toute la game. Donc ce qui fait que j'ai pas peur à avoir, que c'est tranquille. Bon, après, on se prend un perk chaolique aussi, on peut. Non, je vous rassure. Donc on va se la jouer intelligemment, on va prendre les trucs en priorité, Masto, Marathon, Quick Revive. Et je pense pas qu'à cette game par contre on pourra voir pour acheter un cinquième atout. Sauf si je prends Accélération qui peut être très cool. Et je pense pas, ça ferait 4000 plus 500, 4500, il nous resterait... Ah si quand même 3500, donc on pourrait se prendre passe-passe aussi. Prends accro au pire, trop simple accro, trop simple les gars. Nous ce qu'on veut, attends, c'est qu'il y ait du challenge, c'est qu'on doit, on ait besoin de tous les acheter. Accro, t'as pas besoin de tous les acheter. Ah. Non, j'aurais pas assez de sous, ah non, j'ai fait une erreur de calcul. J'aurais pas assez de sous si je prends 3 armes. Au pire, on verra la prochaine manche, on prendra accélération directe comme ça. Et 3 armes, je t'avoue que j'aimerais bien l'avoir. À moins qu'accélération coûte 500, 1500 je veux dire. Faut check. Si hop, de toute façon, double tap en Mark 2, Panzer il va arriver, il va se prendre une rafale, voilà, on en parle plus. on a dernière volonté aussi qu'il faudra qu'on achète. Qui est trop bien comme atout. Tous les acheter avec shopping, bah je peux pas parce qu'ils sont, tu sais, je suis limité en slot. Voilà. Attends, j'aimerais faire par contre un gobble. J'aimerais juste pas trop tuer de zombies. On a quoi, shopping? Ah, je peux faire tourner mon cycle au pire, pour avoir les manes célestes et tout. Sauf qu'avant de prendre tout le reste et tout, j'aimerais bien... Enfin, tu sais, parce qu'avec manes célestes, je peux avoir des atouts gratuits. Si je tombe sur la métairie, c'est être un peu chiant. Ah, tu vois, là, on a accro. Non. On va pas abuser non plus. Là on a quoi? Bonification, let's go, ça fait plaisir par contre. Ça fait plaisir de ouf. Hop, ok. Donc nous on va continuer notre petite stèle. Et en même temps vu que je dois aller à l'église, comme ça je pourrais reprendre mon shield, faire la stèle. Avec du coup le... couteau. Hop. Et voir combien coûte accélération. S'il coûte 1500 qu'on veut pas l'acheter, bon bah voilà, ça veut dire. Ça veut dire ce qu'on perd nos perks slots. Dans ce cas-là, qu'on part sur un accro à la fin de notre étape des couteaux. Hop. Accélération. Merde, attends, le shield avant, on sait jamais. On se fasse coincer. Hop là. Tank shield. C'est quoi ton bâton préféré? Tu check Maïdo qui classe tout.
les armes, de la pire à la meilleure selon moi. Et t'as la réponse, il coûte à 2000. Bon bah on saura qu'à la prochaine manche. Anaïs qui offre 2 subs à la chaîne, merci beaucoup Anaïs. Voilà, là c'est plus bugué. Il nous faut encore des kills. 2 subs offerts à Mathieu et à Akan. Et merci. Trop de générosité dans ce chat, c'est incroyable. Ah attends, on a assez là. Attention les gars, la réponse. Quel plaisir. On garde nos slots de perk. On garde nos slots les gars. Ok, let's go. On n'a même pas passé la manche si on peut aller poser la stèle à un autre endroit. Ok, bah vas-y, on va se faire du coup des points pour 3 armes. Hop, ouah, j'ai cru que j'ai versé la stèle. Tac. Ah, j'ai pas utilisé d'ailleurs le daily sub goal. Et ben on est à 58 sur 75, les gars. Goal pété, ce daily sub goal. Et également le beast goal, on est presque à la fin. Et Wolf Alone, les 1 an de sub. Merci beaucoup pour ton année de sub, Wolf Alone. Ça fait plaisir. Quel beau mal, quoi. Incroyable. Ah mais attends, mais je suis bête. On aura assez pour 3 armes, en fait. Get ça. Let's fucking go. Vas-y, avant de passer la manche, on va se prendre 3 armes, du coup. Pour pouvoir, tu sais, avoir un autre... une autre arme, en plus de notre Mark II. Et d'un bâton. Il met bien bonification. Voilà, tu m'as fait peur sur le zombie, je m'attendais pas à te voir là. Comment il va le frérot? Putain, il s'est pointé devant mes yeux. Hop. Et voilà, on a dépensé 30 000 points, ce qui fait qu'on peut avoir double coup gratuit. Si on veut. Let's go. Pourquoi tu fais pas de Wonderfizz? Parce que j'ai envie d'acheter mes atouts précis. J'ai pas envie d'avoir des atouts que je veux pas. Alors que ça se trouve, j'ai dépensé 1500 points et je me retrouve avec quoi? Oh bah tiens! Je me retrouvais avec le fameux lame éthérée qui fait que je pourrais pas faire l'étape du cut. Hop. Vas-y, on va passer la manche, on va attendre le Panzer Soldat. Voilà. Je crois que ça marche pas ça. Ah si, ça marche quand même. Ok. J'avais un doute. On peut pas se faire de gobble à cette manche. C'est pas très grave. Ah, une machine de mort. C'est pas très ouf. Hop là. C'est vrai qu'on est du coup un liquidé à simulation. Et on a liquidation et volation. Let's go. On laisse un zombie à la fin de la manche du coup les gars. Attends que le Panzer il arrive tranquillement. Ah bah il est là. Allez. Comment ça le Panzer? T'as pas l'air en forme frérot. Oh merde, du nuke. Ah j'ai pas eu le choix pour prendre la pièce. C'est fait chier mais j'ai pas le choix. Vas-y, j'ai déjà fait les grenades napalm, après on fera le bâton de feu. Hop. Le Panzer il s'est fait défoncer. Ah, encore une nuke. Au moins on se fait du point, ce que je me dis. Je pense que j'ai acheté. Non, je sais pas. Je sais pas. On va attendre que les zombies se ramènent dans le bunker. Hop, on va essayer de passer la manche. C'est bon, let's go. Musique d'ailleurs de Seb. J'en ai peut-être 15 différentes. Hein. À peu près. Hop. Hop. On va essayer de finir
Ça, du coup, on laissera un zombie, on fera la manche 10, notre bâton de feu. On va pas se prendre la tête. Oh, encore un perk slot. Let's go. On va prendre du cartouchière, du coup, après, je pense. Cartouchière, double tap. C'est toujours pas bon. Ah, là, c'est bon. Foutez-moi la paix. Voilà, laissez-moi prendre ça en vif. Merci beaucoup, T2Bis. Merci pour ton follow, bienvenue. Et Natix également qui s'est follow, merci. Vas-y, je prends ça comme troisième arme, hein, c'est juste pour avoir un slot en trois armes. Hop. Donc ça, c'est notre troisième arme. Hop là, cartouchière de bandit, let's go. Ça commence à se remplir là, la petite ligne. La petite ligne d'atout. On va se laisser un zombie. On va pas se prendre la tête. Hop là. On va se la jouer, tu vois, tranquillou. Ça nous donne 5 balles de bâton. Ah ouais! Certains qui vont dire quoi, que 5 balles c'est tout, mais c'est rien, 5 balles au fond c'est... Sur du bâton c'est incroyable. Hop. Oh là, j'ai un bug. Oh là là, j'ai pas vu qu'il restait autant de zombies en fait, moi je pensais qu'il en restait un. T'as vu le bug que j'ai eu là avec la boîte? Je sais directement l'arme que je vais avoir, c'est cheaté. Putain les gars, on a cassé le jeu. Là genre on aura la MP40. On a cassé le jeu les gars. Là on aura quoi? STG44. Je parie. Putain les gars, on a une STG44. On a cassé le jeu. Incroyable. Là on a quoi? Ah, je m'attendais pas à une MP. Ah, c'est peut-être l'effet d'accélération en fait. Qui fait que du coup on sait ce qu'on va avoir. Vu qu'il a peut-être pas pu accélérer, c'est le truc de la boîte. Oh les singes, non. Ah non. Surtout pas prendre les singes. Surtout pas, parce que sinon on perd nos grenades napalm. Et si on les perd, c'est chiant pour le secret. C'est très très chiant, clairement. Oh la MJ42. Oh la MJ42. On les garde pour l'instant. L4 siège. J'ai cru que c'était l'arme spéciale justement du mode. Mais non. Ouais, je crois que c'est l'effet d'accélération qui fait ça. Voilà. La Weevil, ok. Hop. Ouais, c'est MJ08, pardon. Voilà, tu as compris ce que je voulais dire. C'est pas MJ42, voilà, c'est une MG. C'est une batteuse, MG, c'est la même chose. Eh, on casse pas les pieds. Ah, et le Brecci, dommage. On aurait pas eu l'arme que j'espérais avoir. On a 75 balles de Regen en plus. Vas-y, on va se prendre Tortue Victorieuse. Hop là. Bon, merde, on va laisser faire le bâton de feu du coup à cette manche. Du coup, faut que je récupère ça pour aller chercher la pierre du bâton de feu. Let's go. Hop. C'est bon, il n'y a pas le robot qui va me casser les pieds. Donc ma dernière arme, c'est pas la MJ42. Ah, oh, MJ08, pardon, je vais l'améliorer. Du coup, on va la garder, on va faire avec ces armes-là. Comme ça, on aura une... Ah, mais j'ai plus assez de sous, si je suis bête. On l'améliorera après, du coup. J'ai pris le gramophone, il faut que j'aille au spawn. Ah, obligé de le tuer ce salaud. Ah, je préfère la MJ08. Je préfère large. Je prends pas double tap, mais double tap Attends, t'as juste sur le Panzer. En une rafale de Regen, j'ai défoncé. À quoi me servirait double coup? À faire plus de dégâts? Mais je suis déjà invincible, mais je fais déjà beaucoup trop de dégâts. Ça m'est totalement inutile. En plus, double coup, je peux l'avoir gratuitement. Avec les... Oh, t'y as compris, hein, le truc là.
La récompense des défis. Donc pas d'utilité perso à prendre. Voilà, toi t'es le dernier zombie. J'ai pas envie de te défoncer maintenant. Hop là. Là, tout cartouchière, c'est aussi un de mes atouts préférés. Franchement, ils ont fait de putain d'atouts avec BO4 et leur nouveau système. Cartouchière, dur comme la pierre, victorieuse, accélération. C'est 4 atouts que je surkiffe de ouf maintenant. Hop. Là, on va récupérer le gramophone. Plus besoin d'être là. On va aller scraft le bâton. Ah, la météorie, c'est vrai que s'il était là. Hop. Bon. On va continuer notre petit secret, du coup. Après, j'ai limite envie de prendre un percaolique pour voir tous les atouts. Franchement, tu sais, juste tous les voir pop comme ça d'un coup. Bon, de toute façon, il est passé dans notre cycle percaolique. C'est carrément incroyable. Ouais, sous BO4, perception de la mort, MDR. Qui est qui? Tombstone? Trois armes? Il y a plus d'atouts claqués sur l'ancien système que le nouveau. Hop là, comme ça, ça c'est déjà fait. Déjà des Kiri. Meilleur secret BO3, derrière Sintrache. Oh là là, West Coast 1200 bits. Merci beaucoup frérot, ça fait plaisir. C'est incroyable. Je sais pas trop le système d'atout, pourquoi tu n'aimes pas le système d'atout de BO4? Parce que t'as plus besoin d'acheter Masto, qu'il t'est directement offert. Parce que t'as plus besoin d'acheter Piccola, parce qu'il est directement offert. Pareil pour Double Tap, pareil pour Quick Revive. Là, tu regardes, par exemple sur Origins, tu prends quoi en priorité? Masso, Quick Revive, Speed Cola. Hop là, t'es baisé, t'as de la place que pour un seul atout après. Genre, si tu voulais Widow's Wine et que tu veux marathon en même temps, bah tu pourras pas. C'est meilleur, comme ça au moins t'es tranquille. Tu peux prendre 4 autres atouts. Tu peux être grave cool lors des speedruns, etc. Vas-y, on va aller voir, il y en a quoi là comme. Là-dedans, comme gobble. Pire de l'histoire, Yann. Perception de la mort. Dis-toi que c'est le meilleur atout à avoir en secret réaliste. C'est clairement le meilleur atout pour un secret réaliste sur BO4. Hop. On va aller faire du coup là notre petit bâton. Maintenant est plus facile. La MDZ, tu te mets en rallye sur BO4, hein. Mais c'est plus compliqué qu'à l'époque. Yo le Yoshi, bah mec. Et une commande, ça arrive pas en 12 heures. Hein. Quand on a la zone, les gars, maintenant, livrez chez vous en 12 heures. Tu penses au truc, bam, il est dans ta boîte direct. Merci Kaza pour le follow. Welcome. Plus que 34 follow pour les 79 000. Let's go du coup. Moi c'est vraiment le souhait que j'ai pour le prochain Call of Zombie. Celui du fin d'année là du coup. Enfin s'il sort en fin d'année, s'il n'y a pas de retard ou quoi. Voilà blabla. C'est d'avoir les difficultés genre réalistes, hardcore. Comme on a eu sur BO4. Clairement. C'est vraiment moi ce que je veux et ce que j'espère. Avant t'avais pas des gobelgums qui te donnaient tes atouts. MDZ, c'est ce que je te dis mec. Va en réaliste. Charpentier sur Ori. Y'a pas un charpentier. Oh putain, c'est map où y'a pas de charpentier. Ah c'est pas encore fini là. Tombe 4. 4. Oui. Hop. Bon du coup avec nos points et nos slots d'atouts là, qu'est-ce qu'on pourrait se prendre? Dernière volonté, ça pourrait être très cool. Hop.
Ah, c'est toujours pas fini ici. Au moins c'est bon, on a chargé nos bâtons. Ok, c'est fini. Et en plus, t'as des aides. Qu'est-ce qui te force à jouer au Gobblegum? T'as dit que ce soit compliqué comme avant. Tu prends pas de Gobblegum? C'est la même. C'est la même. Alors, moi, je m'y connais tellement pas. Je m'y connais. Oh, attends. J'allais partir faire le truc. Je sais même pas comment on l'améliore. Enfin, je connais pas le code. Voilà. 11, 5, 9, 7, 6, 3, 4. Ok. Hop là, let's go. Je te suis depuis la sortie de BO1 Moon. T'as réévolué. Bah, ça tombe bien puisque bah, je ne faisais pas de vidéo à cette époque. Hein. Donc c'est 11, 9, 3. T'es cramé. T'es cramé. 11, 9, 3. 3. Hop. Et le 11. Yo, il l'a. Voilà. C'est pour l'utiliser, non? Voilà. AMDZ. C'est de la débilité, là. De la pure et dure. Qu'est-ce qui t'y oblige? C'est comme les gens, tu vois, qui critiquent les skins et tout que tu peux acheter, genre sur les Fortnite, etc. T'as pas un couteau sous la gorge qui t'oblige à y acheter? Tu vois, c'est la même chose. C'est un jeu de l'Arnie. L'Arnie beaucoup plus puissante. Donc c'est clairement plus intéressant, les... L'Arnie. Voilà. Voilà, sans de zombies, comme ça. J'ai pas besoin de tuer trop de zombies. En plus de ça, je peux partir tranquille. Je pense que c'est ce point de dernière volonté. Wesh, le sombre. Bah, la forme, et toi? Ouais, BO3 PS3, c'est là où ça a été un gros déclic. En fait, c'est depuis que j'ai commencé à faire mon format, tu vois, qui changeait de ce qu'on voyait normalement en zombies, quoi. En vrai. Quand on regarde. C'est incroyable. J'allais m'acheter du coup, je voulais m'acheter dernière volonté. Putain, il me fait peur le pied de robot. Voilà. Oh là. Oh là là. Mais c'est la ménoie. Ah, ok. Et on a la barre, bah du coup on a déjà pu tester dernière volonté, let's go. On a la barre qui s'affiche en bas. Je trouve ça incroyable. Putain, comme t'as des mecs qui réussissent à refaire les... Enfin, c'est un délire. Et là du coup j'ai la barre pour voir quand est-ce qu'il est chargé. C'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Tortue Victorieuse n'a rien fait. Bah c'est normal, j'ai pas pris le bouclier, faut prendre le bouclier pour Tortue Victorieuse. Tortue Victorieuse, c'est quand t'as le bouclier devant toi. Si tu prends pas bouclier, c'est sûr que voilà. Merde. Ah, c'est embêtant. Bon, ça, j'ai lancé un truc sous le bat. Ça dérange pas. Au moins, comme ça, je vais être tranquille. Ah, putain. Un moustique. Genre là, tortue victorieuse, il est utile du coup. Sinon, ouais, tortue, il est. Putain, mais moustique, dégage de là. C'te salopio. Il voulait me manger. Il explose si tu l'as dans le dos. Non, non, Yann. Il explose que si tu l'as en modificateur sur BO4. Que si tu l'as en tonique, sinon il n'explose pas. Enfin, tonique ou Odin. Sinon, il fait rien. C'est qu'en modificateur qu'il explose. Que de cette manière. Hop. Bon, du coup, là, faut qu'on charge le bâton de feu. Oh, c'est trop stylé là, les barres qui sortent pour cutter. Incroyable. Je pense que je vais économiser, je vais prendre au pire accroche, j'économiserai pour améliorer la MG42. Putain, ça remplir l'écran, il va être rempli d'atouts, ça va être un délire. Et un plaisir, clairement.
Ah, ça c'est un mur. On a eu Deadshot et Kiri, ok. Hop, avant que ça spawn. On a eu... Ah, ça met sur deux lignes. C'est stylé ça. Ah, on a un Panzer, faudra qu'on se prépare, qu'on va sortir du coup. Ah, c'est bien que ça mette sur deux lignes, ça remplit pas l'écran au moins. Double points. Ok, let's go. Donc là, faut qu'on mette les bâtons dans les robots. Marc de améliorer sur Odin, c'est magnifique. Bah ouais, clairement. En bleu comme ça, il est incroyable. Je pense si ça joue le fait, tu sais, qu'il passe... que normalement, c'est rouge. Et que là, ça passe bleu. Tu vois, ça fait contraste direct. Salut toi, Sly. Non, non, Yann. Tu peux aller check, j'ai même fait une vidéo qui résume tous les... oula. Tous les atouts. Robot's root comes right through this area. Il explose quand tu l'as devant toi sans modificateur, et quand tu l'as au modificateur, il explose quand il casse, même s'il est sur ton dos. Non, tu as le Panzer, on a toujours un Panzer. Il a disparu. On se prépare quand même à le voir devant nous. Sinon, son modificateur, il explose uniquement quand il est devant toi. Oh ! Ah bah. Voilà. Salut mon pote, à la prochaine. Oh, 1x2. Waouh. Wow. Vas-y, faudrait que j'arrive à garder un zombie. Un atout, Widow's Wine. Oh là, oh là, oh là là. Ce que je disais, MDR. Bah dans ce cas, pourquoi est-ce que tu dis qu'il a pas marché tout à l'heure? C'est pas du tout ce que tu disais, mec. D'ailleurs, tu t'as dit, Tortue Victorieuse a aucune utilité. C'est normal, j'avais pas mon bouclier devant moi. Comme il était dans mon dos et qu'il n'y a pas de modificateur sur BO3, il a pas pu exploser. S'il avait devant moi et qu'il aurait pété à ce moment-là, ouais, ça aurait explosé. Hop. Putain, la rapidité du truc, du coup. Est-ce que c'est le robot du mid ou de l'église? Du spawn encore? Ah, ça fait deux fois de suite. Y'a pas eu de chance là-dessus. Vas-y, j'ai passé la manche. On va déjà faire les coffres et après on fera ça. Parce que je disais, ah ok, bah c'est juste moi qui suis con et qui a pas réussi à comprendre le sens de la phrase. Oh, on attend. Qui dit nouvelle manche dit. Ah, dommage. Ce n'est pas ce que j'espérais. De toute façon, on va attendre le robot de l'église, hein, tranquillement. Pas se prendre la tête. De toute façon, je l'aurai un jour. Je l'aurai. Oh, let's go, Père Slot. Hop là. Vas-y, moi, je suis sorti ma petite MG08. Boum, boum. Après, elle est belle, la MG08 aussi. Elle a du flow de ouf. Ah, let's go. Hop là. Est-ce que c'est celui du mid ou c'est celui de l'église? C'est celui du mid. Figues22 qui relâche son prime pour le deuxième mois, merci beaucoup. Yo Flapix, comment ça va mec? Merci beaucoup pour ton resub prime, ça fait plaisir.
Et du coup les gars, on est plus qu'à 15 subs du sub goal. Comment est-ce qu'il m'a déjà mis? Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je n'ai pas compris. Est-ce que tu as compris toi? Moi j'ai pas compris. Oh, c'est l'église. Ça se fait plaisir. Est-ce que c'est celui-là? Ah, je crois que c'est celui de l'autre côté. Générateur 6, je crois. Ouais, générateur 6. Vite, on aura le temps. Merci West Coast pour les 200 bits. Merci beaucoup, ça fait plaisir. On est vraiment à la fin du Beats Goal là, les gars. Goal défoncé. Hop là, donc là c'est nickel. Nickel. Donc là, faudrait qu'on ait seul robot du... Ouais, je préférais que là, seul robot du mid. On va quand même prendre celui du spawn au pire, de bâton. Hop. Allez, cours Forest, histoire que t'aies le temps d'aller chercher le bâton du spawn, de remonter et de voir si c'est celui du mid ou pas. Marathon, moi ça met bien. Les sprints que ça nous fait taper, c'est incroyable. Attends, au cas où il y a un bug. Et prends-le! Salaud! NMG 08, même. Eh! Hey. Marathon modificateur, c'est le sang. Oh ouais, oh ouais! Oh, il est tellement bien! Eh, hey, qu'est-ce que tu me veux, toi? Eh, le robot du spawn, on y croit tous, hein. Allez, les gars, tous ensemble, let's go. Ça, c'est parce qu'on y a tous cru. Ça, c'est incroyable, mec. Hop. Après ça, on se fera quand même une petite gobble. Ok, c'est le générateur 3. Robot's route comes right through this area. Let's go! C'est ouvert! Wouh! On va poser notre petit bâton. Let's go! On va chercher le bâton de vent. Après, si on a direct, on arrête la chatte de ouf. Ce serait trop bien. West Coast, merci pour les 1000 bits! 1000 putains de bits! Ouais, je crois, Yann, c'est quand tu prends la quatrième. Comme sur... il a dû faire ça, tu sais, comme sur... Enfin, c'est incroyable, je trouve. Ouais, j'aurais pas le temps. Je voulais faire un gobble et ensuite aller chercher le bâton. On va déjà chercher le bâton, ensuite on fera un gobble. Au cas où, on a un problème avec trois armes qui bug, je sais pas, j'ai pas envie que ça me remplace mon MK2. Tellement abusé. Ouais, je mettais beaucoup RAMS au début, puis au final j'ai découvert qu'il y a des modificateurs beaucoup plus intéressants que celui d'accélération. L'accélération, c'est limite si je mets plus trop maintenant. Enfin après, c'est parce que je fais beaucoup de secrets réalistes, accélération réaliste, c'est pas le... Ouais, voilà. Vas-y, on dépense 1500. On a eu quoi? Des liquidations, ouais. Ah, c'est pas le robot du mid. Du coup, on va passer la manche. Comme ça, on fait les coffres d'âme, tu en perds pas de temps. On n'attend pas, genre, en faisant rien du tout, le robot du mid. Ah, les gars. Allez, allez, on se fait plaisir. Comme ça, on speedrun le secret. Ouah, Masto, Marathon, Speed Cola, Quick Revive. Accélération, 3 armes, tortue victorieuse, dernière volonté, Deadshot et Ikiri,
La Métairie, Widow's Wine. Le truc Blaze quand tu te mets accroupi. Voilà, que ça charge et que ça... Oh là là. Double tap, chair électrique, pH des sliders. Dur comme la pierre. Sanglot hivernal. C'est carrément incroyable. Moi, abusé? Pas du tout. Oh, le délire. Y'a pas Luna. Non, y'a pas morsure de loup, parce que c'est galère à coder. Et de toute façon, s'il y avait morsure de loup, j'aurais plus gueulé qu'autre chose, parce que ça m'aurait cassé les couilles que Luna le pop. Et hop, je te passe la main, je te tue tes derniers zombies. Pardon. Ça fait quoi la Luna? On va pas s'entendre, toi et moi. Si c'est pas le robot du mid, je repasse la manche du coup. Allez, c'est très bien. Alors là, si on meurt avant la fin du secret, c'est qu'il y a un problème. Bon, si on se fait écraser par le robot, ça compte pas. Ah, c'est pas le robot du mid. Alors là, faut qu'on fasse gaffe parce que je crois qu'on aura les Templiers. Et si on a les Templiers, c'est la merde de ouf. Parce que je crois que s'ils nous enlèvent le truc, ça nous reset l'étape. Mais alors, Fikinho, merci beaucoup, mec. Putain, c'est au générateur 3. Vite. Surtout pas qu'il nous vire un générateur. Wouh, c'est bon. Let's go. Meilleur modif. Pour y a Sanglot Hivernal qui est super intéressant modificateur. Dur comme la pierre aussi, ça dépend des strats en fait. C'est ça, tu peux pas dire lequel est le meilleur ou pas sur BO4. C'est que ça dépend totalement des strats, c'est ça qui est trop bien. Ça fait beaucoup d'atouts là, non? Voilà. J'offre 5 subs dans le chat si... Genre, tu sais, on va dire de ma faute, c'est genre sans bug ou quoi. Je me tape une donne avant la fin du secret. Si je pas dernière volonté, j'ai l'impression qu'il était un peu bizarre. Je sais pas comment dire, là t'as vu, je me suis pris une claque et j'ai perdu dernière volonté, j'ai peur que... Qu'il y ait une couille dans le pâté avec dernière volonté. Hop. Ok. Romo du bide ou pas? C'est un qui tombe un jour ce salaud. Voilà, par contre, pas envie de passer la manche, donc tout ça, ça dégage. Ah, suite de l'église, hein, fait chier. Oh, on va finir au moins les points à cette manche là. Du coup. Hop. Ah, c'était pas les derniers, il en reste un autre. Où est-ce qu'il est l'autre? Ah, le retardataire. Allez, je vais faire un petit screen vite fait là. Des atouts. Pour comme ça me faire ma petite miniature, on pense déjà à la minia et tout. Twitter Home. Et Bibiman qui lâche son recette des 18 mois. Tellement donné envie de jouer à IW que je l'ai commandé. Ah, t'as bien fait. T'as très bien fait. Merci pour ton recette, du coup ça fait plaisir. Toujours là, toujours dans la famille. Oh là là. Oh là là. Là je crois qu'on en aura deux. Bon. C'est vrai que le Mark 2 c'est pas trop dégueulasse quoi en vrai.
Franchement. Quoi? Un min-max? Bref. Ouais, écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Un min-max. Tiens, non, il n'y aura pas la MG08, c'est juste pour avoir tué à tous les atouts affichés en bas. C'est toujours pas bon le coffre! C'est toujours pas bon! Incroyable! Tan 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 tan. On a toujours pas le robot du mid. Ah, on a les trois robots. Ah merde. Manquait combien de zombies? 3, 4, 5. Ouais, manquait pas mal en fait. C'est bon. Ça se trouve, ça va être un pied du mid. Oh, c'est un pied du mid. Incroyable. Oh là. Wesh Newman, comment ça va? Let's go. On a eu de la chance, hein. Je vais aller chercher le bâton de feu, là, vite fait. Merci Stun Snipe pour le follow. Bienvenue à toi. Sur la chaîne, installe-toi, frérot. Donc là, normalement, si on veut, on a besoin de passer de main jusqu'à la dernière étape. Enfin, l'avant-dernière. Bah, ça va, Nunu, ça va. Et les gens, là, dans le chat, y'a pas quelqu'un de généreux pour offrir un sub à Newman? Il est modérateur, il est même pas sub. Tu te rends compte? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est une âme généreuse, hein, n'hésitez pas, les gars. Petit sub à Newman. Si c'est honteux, modérateur est pas sub. C'est pas normal. Hop. Donc là, normalement, on va voir les trois robots en même temps. West Coast qui a fait 5 subs à la chaîne encore. Putain, mais il est incroyable. West Coast va passer top sub gifter à ce rythme là. Merci beaucoup pour les subs offerts encore, ça fait plaisir. Oh, incroyable. Alors là, j'espère que c'est un des bons pieds. Non, pas se mentir que ça fait un peu chier. Ah non, dommage. Ah merde, la nuke. Et Matsango qui offre un sub à Newman du coup. Let's go. Bon bah les gars, plus que 8 subs pour le daily sub goal là. Plus que 8. C'est incroyable. C'est quand même incroyable, mec. Ah, le salaud! Vite, 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 avant que ça parte! Allez, toute demande de sub, les gars, dans le chat! C'est écrit dans les règles, hein, c'est interdit. C'est pas respecter les règles, et bah tu es ban temporairement. Tout simplement. Il va pas tarder à arriver à la fin du secret, là. Parce que
que j'espère, c'est qu'on devra faire les kilos points. Là, Météri va pas faire bugger le truc. Si jamais ça fait planter, c'est pas grave. On se ressuscite, on rachète des atouts. On a 26 000 points et je crois qu'en perk slot, on a quasiment tout dispo. Donc bon, c'est tranquille. Voilà, mais il y a beaucoup de zombies là. Un peu trop à mon goût. Il en faut juste un, hein. Pas besoin de 1000. Ok. Il y a les 3 robots qui arrivent encore. Non. Et non, ah, pas encore, fuck. C'est pas encore un des pieds du mid. On va aller chercher notre point du coup en attendant. Sub, c'est terminé aujourd'hui. Ah, pour un sub, ça veut dire ça. Ça, ça veut dire qu'il faut sub. Karma incroyable, mec. Vas-y, je vais ouvrir. Hop là. Je fais lequel, secret Alice? En vrai, le plus que j'ai kiffé faire, c'est enchaîner ces villes. Le boss fight, tellement hardcore. Si t'es pas bon et que t'es pas bien stuff et que t'es pas préparé, tu le passes pas. C'était un pur kiff. Bon, la satisfaction de les réussir, c'était incroyable. Oh, un zombie! Boum! 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 Yo, flap. Yo, Xav, comment ça va? Vas-y, donc là, on va attendre les 3 robots. Oh, des points! 50 points, incroyable. Est-ce qu'on peut se retirer un atout? Tout double buy! C'est-à-dire quoi, ça, double buy? Attends, on va aller voir, parce que là, ça me proposait de faire une action, genre de faire double buy. Quelle est cette histoire? Let's go! Prochain map, après on fera sûrement d'air. Ok. Voilà, allez. Si au blog tu commences secret, manche 4-5. Bah, Origins, regarde, je commence pas avant la manche 10-11. Hein. Il est temps de faire tous les bâtons. Ok, où je balance une deuxième. Est-ce que c'est bon? Let's go! Je vais. Et c'est sûr. Bonnetman qui offre 4 subs à la chaîne! Merci Bonnet. Oh là là, ça va faire à Kylian, à Lay, à DCH et à Robin. Merci beaucoup pour les 4 subs. Un délire. Ça, j'ai pas besoin de PHD Slider, je pense que je vais essayer voir avec PHD Slider. Double buy. T'imagines, on peut acheter deux fois. Mettez-moi le démo de Free Sub là dans le chat pour Bonnet. Qui a encore fait plaisir. Non, c'est pas ça que je voulais faire.
Comment ça? J'ai pu le racheter? Peut-être que ça fait le modificateur du coup. Attends. Ça fait le modificateur. Donc ce qui veut dire qu'au final, on peut avoir plus de 30 atouts. Incroyable. Natsango qui a pris son tour de sub. Let's go les gars, plus que deux. Plus que deux pour le daily sub goal. Merci beaucoup Matt, ça fait plaisir. Ah, je me concentre vite fait. Let's go les gars, Matt qui a relâché deux subs pour péter le daily sub goal. Putain, incroyable. On est à 75 sur 75, bah goal remonté hein. Parce qu'on est loin d'avoir fini le live, là on est à 50% du live. Incroyable. Putain, merci beaucoup. Regarde ça comme c'est beau là-dessous. Je trouve ça incroyable, mec. Bon, là, du coup, c'est l'étape avec le fameux zombie invisible. Tu sais que tu shootes l'avion, faut que tu tapes le zombie après. Pour ça, faut qu'on prenne le bâton de glace. Donc, je vais déjà aller poser en bas, tu sais, le bâton de feu. Comme ça, on aura un aller-retour en moins à faire. La Tesla, exactement. Et merci, Elio, pour le follow. Bienvenue à toi. Oh là là. Hop. On va poser ça. Du coup, on a 27 follow des 79 000. Ce serait incroyable qu'on les pète ce soir, par contre. Imagine 79 000 followers en faisant du zombie. Voilà. Juste ça. Ce serait un délire. Hop. Allez, on va chercher comme ça notre bâton de glace. Oh là. Je prends un risque, ça passe, ça passe, ça passe. Hop. Merci Ryan pour le follow aussi. Et Lenny, merci pour vos follow les gars. Hop, on va se faire notre sang de zombie. Avec la petite strat, tu connais. Alors ça dans 10 minutes là, vas-y, je suis chaud. Voilà. Ok. Il est là. C'est lui. Eh bah let's go les gars. J'ai posé mon bâton de glace donc j'y suis. Il est en rec, ouais on est en rec. Le seul pec c'est que ce bâton, exactement. Non, c'est plus rapide de les shooter de là que de faire tout le tour et tout, c'est chiant. Ok, on passe à l'avant-dernière étape du secret, les gars. Avant-dernière. Sinon, secret d'origine, c'est le plus long, je trouve. En tout cas, en solo, c'est clairement le plus long. Après, là, on prend vachement notre temps et tout. On a découvert le mode avec tous les atouts, ce que ça faisait. Et c'est là qu'on va tester si on a un problème avec la météorie ou pas au niveau des cuts. Si jamais, bon bah, on se laisse tuer, on va chercher nos atouts.
Voilà, on a 25 000 points, on a des perks slots, on est tranquille quoi. Hop, du coup on va se mettre en bas, on a bien les points. Ouais, c'est bon. Et voilà, je crois pas qu'il soit là, Bonnet. Je crois pas. Je crois qu'il a dit qu'il décalait pour ce soir. Dans le secret, on arrive là, on a la dernière étape. L'avant-dernière, pardon. Donc là, en s'il mange 20, on a toujours pas notre stèle. Ça veut dire qu'on se suicide et qu'on reprend nos atouts. On verra bien la prochaine manche, du coup. Tous les atouts, je pense. Il y a Aster, il y a Accro, il y a Man Céleste, il y a Bonification. Ah, j'ai entendu un bruit. T'entends? Je crois que ça marche. Merci Lou 8900 pour le follow. Au moins la météré ça met bien. Oh, perslot encore. Let's go, ça a marché. Trop bien. Oh, la météré du coup il nous a mis trop bien. Bah let's go, dernière étape du secret d'Origins avec quasiment 20 atouts. Ah, robot de mes couilles. Oh, je prends un risque. C'est passé. T'as marre pas, tu vois pas. Tous les atouts très arches, PhD, banana. Bah banana, c'est pas un atout très arche. Ça reste un atout custom. Après ça, on passe à Darius Intrahoy, les gars. Ça vous chauffe? Ah! Je me suis demandé pourquoi est-ce que j'ai été tège, mais c'est Blazer là. Le truc c'est de la glissade quand tu te mets comme ça, que ça te charge et que tu te relèves, ça te fait un truc. Je me suis demandé, je me suis fait putain, mais qu'est-ce qui m'a poussé là? Hop. On va chercher le dernier bâton du coup. On a pris le drone. Combien de fois le secret d'Origins? Je sais pas. 100 fois au moins. Franchement, largement. Entre BO2 et BO3, déjà c'est clairement le secret que j'ai le plus fait dans ma vie. Tant qu'à où on a un problème encore. Mais donne-moi le bâton! C'est le dernier zombie en plus? Ah non, chier. Juste espérer pour ne pas avoir à attendre le dernier. C'est bon, c'était le dernier. Hop. Attends de voir parce que je crois qu'il y a les Templiers. Ah non, c'est bon, on est tranquille à ce manche. On arrive en fin de live. Et bien coup, point d'accélération planning. Merci Cool Malou pour le follow. Bienvenue à toi. Bienvenue. Et voilà. Dernière étape du secret. Tu es 100 zombies en bas. Mais par contre, ah, un spare de ce, un truc d'atout en haut, un perk slot. Par contre, clairement, avant de mettre fin à la partie, je vais racheter tous les atouts au moins une fois. Pour avoir, tu sais, les modificateurs du coup de chaque atout. Ce qui fera, en fait, c'est là le nombre actuel, tu vas le multiplier par 2. On en a combien? 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, ça ferait 38 atouts. Du coup, vu que tu peux les acheter deux fois, c'est pour avoir le modificateur, le double buy, ils appellent ça. Bah, un atout. Je sais pas lequel j'ai eu du coup. La première fois que je lance mon jeu, ma souris elle fait de la merde encore. C'est ça qui est chiant avec BO3. Ce coup d'un moment, ta sensibilité de souris elle part en couille. Hop. Ok, fin de manche. On va finir la partie avec 38 atouts. Voilà, moi j'ai ça à dire, hein, 38. Ok, c'est bon, y'a pas les Templiers à cette manche non plus. Ah, on a un Panzer qui va nous attendre en plus dehors. Incroyable. Juste avant d'aller acheter les atouts, j'aimerais finir cette étape là. Perk slot. Je sais pas, j'en suis à combien de zombies. Let's go! Hop là! Allez, on va avant de finir le secret, les gars. Avant de finir le secret, on a un petit truc à faire. On doit passer à 38 atouts au total. La double buy, ça me propose quoi? Time sleep, ok. On a déjà fait PhD. On a déjà fait PhD. Hein. Je sais pas de qui ça m'a pas aléatoire. Enfin, j'en fais une fois par mois, quoi, mais juste histoire d'en faire. Stamina up aussi, on a plus double buy. On peut tous en fait les faire. C'est incroyable. Vas-y, on va faire ceux du mid. Après, s'ils avaient tout Black Ops 4, hein, c'est les modificateurs clairement du coup qu'on a. Tiens, là ça recharge automatiquement l'arme si j'ai bien compris. Genre quand elle, si elle est pas chargée au max, quand tu la passe sur toi, ça la recharge quand même. Les marathons, du coup, on a un sprint illimité. Oh, mais j'aurais dû prendre dès le début le double marathon. Double blaze. Trois âmes. Ouais, c'est ça. Quand on rachète trois armes, on récupère la troisième arme qu'on avait. Là. Si on... J'aime, on vient à perdre trois armes. Je t'avais pas vu, toi, chef. Allez, dégage de là. Si, si, Pulsion, je te rassure, hein, t'as spam. Ça fait trois fois que je vois ton même message. Ça, j'y réponds pas, c'est que t'en vas toujours le même, donc. Voilà. Stice, continue, tu gères. Merci beaucoup. Merci pour ton resub, ça fait plaisir. Le double masto. C'est incroyable, mec. On va finir la game, on aura du coup 38 atouts. Voilà. C'est incroyable. C'est un délire. Vas-y, je vais actualiser le truc du coup. 76. C'est beaucoup trop fort le tous les atouts. Bah, on est invincible, mec. C'est un. Attends, la météré. Regarde avec marathon, on court tellement vite et tellement longtemps. Même dans la boue, on est presque pas affecté par la boue. Putain, moi je pensais, tu vois, ça va être tous les atouts comme ça, donc je me suis dit, ouais, il y a 20 atouts, du coup j'ai mis 20 atouts, mais j'aurais dû dire plus au final. Double double tap. Additional blade damage. Ok, ça nous augmente des dégâts. En gros, ça fait un dégât x3 au lieu d'un dégât x2.
Dernière volonté, ça ouais, ça nous régène directement toute notre vie une fois qu'on sort de la phase de dernière volonté. Alors que normalement, tu sais, ça nous remet quand même à 1 HP. Le double réa. Faster movement speed after. Ouais, ok, ça. Une fois que t'as... Enfin, pour que tu régènes ou un truc comme ça, tu vas plus vite. Une carte va tellement vite, du coup. On a l'impression d'être avec un gros Godman ou quoi, mais pas du tout. Quadruple tap. Triple tap. Ouais, ça, c'est tous les modificateurs, en fait, qu'on est en train de prendre. Hop là. Ah putain, délire, elle est où, la Vander Fizz? Elle est là-bas ou pas? Pour qu'on essaie d'avoir du coup chier électrique. Ah, j'ai oublié Sanglot. On va reprendre Sanglot, les gars. Non, elle est pas là. Pour qu'on fasse chier électrique aussi et Widow's Wine. Mais du coup, là, je vais clairement aller chercher déjà Sanglot Hivernal que j'ai oublié. Bon, mais c'est fait, Blaze, c'est fait. Ouais, ouais, c'est tout fait, en fait, sauf Chéri et Widows. Qui sont pas en machine, du coup, qui sont en Vander Fizz sur cette map. Après, il a ramassé. Il a remis... Ah, attends. Ouais, non, il n'y a pas Chéri. Il a oublié d'en mettre Chéri et Widows Wine en machine. Quelle indignité. Il y a peut-être plus de place sur la map, tu sais. Et tout ce qu'il a rajouté. Sub-2-4, sub-2-3, ils sont incroyaux. Parce qu'on accorde. On va partir, c'est une vidéo de 2 heures pratiquement. Ah non, on peut pas, on peut pas. Eh bah les gars. Un délire, un putain de délire. On est invincible. On est cheaté. Let's go, on va terminer ce secret. Hein, qui rate un sub là, dans le chat? Où ça? Où ça, où ça, où ça? Voilà. Bon. Les gars, on arrive à la fin du secret avec tous ces atouts. T'imagines, tu fais un run avec tout ça? Merci Sword pour le follow, bienvenue à toi. Bon du coup, hein, les gars, si vous étiez sur la vidéo qui est sur PlayPixTV, n'hésitez pas à me lâcher un énorme like pour ce secret, cette grosse vidéo de ouf qu'on a fait. Je compte sur vous vraiment pour m'exposer à barre de là, je vous rappelle 2500 likes et on fait le Rainbow Perk Challenge avec tous ces atouts-là. Ça peut être incroyable. Bien sûr, avant de partir, abonnez-vous à cette chaîne PlayPixTV. Hein, activez la cloche notification pour ne louper aucune vidéo. Et je rappelle, une nouvelle vidéo tous les mardis, jeudi 18h sur cette chaîne FlapixTV et rediffusion plus de ça les samedis. Donc n'hésite pas et rejoins les live Twitch, on est en live Twitch tous les soirs à 21h. Donc voilà, je compte sur vous sur YouTube pour me péter tous ces likes. Et puis prenez soin de vous, bah... Bon, à la prochaine YouTube, voilà, tout simplement. À la prochaine...